bienvenue sur la roue du forçage. Bonjour Pierre Chabrière, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On s'en branle, monsieur Chabrière. Pour les téléspectateurs, dans la vie, vous êtes... Ça, je fais des sponsors NordVPN. Voilà. Sponsorisateur de NordVPN. C'est très précis hein, comme métier. Mais je vous invite, Pierre Chabrière, à faire diversion et à tourner la roue du forçage. Allez là. Et abonnez-vous à la chaîne pendant que la roue tourne. Yes. Hop. Vite, c'est normal qu'elle continue là. Allez, hop là. Ah bah voilà, NordVPN. Yes, bah alors, là, c'est bon. Sacrée surprise. Hein. Ok. Pierre Chabrier, une lettre. X. Et on regarde ça tout de suite. Bah, pas être évident là, il va falloir quelques tours de roue en plus. Hein. Ouais. Votre proposition. Alors, NordVPN, ça c'est sûr. C'est plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays disponibles sur PC, Android et iOS pour sécuriser votre navigation sur mobile avec un service client en français disponible 24h sur 24, 7 sur 7, qui propose jusqu'à 6 connexions, le X évidemment, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, hein, en simultané et un niveau de chiffrement de niveau militaire. Ouais, il a trouvé du coup. Bravo Pierre Chabrière de vous gagner exceptionnellement puisque c'est la Black Friday, 4 mois d'abonnement à NordVPN offert si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description et en rentrant le code Villebrequin. Oui, bravo, il suit ce connard. Elle est pas belle la vie. Merci. Hein? Par contre, si vous voulez votre cadeau, il faut cliquer sur le lien et rentrer le code Villebrequin, c'est important. Qu'est-ce que vous allez faire, ce petit cadeau? Yes, merci. Alors là, putain, vous faites un heureux, hein, vraiment. C'est là que je vais pouvoir me donner à mes passions, j'en ai deux, hein, Netflix, et puis alors les gonzos allemands d'Andros Katozofil. Oh, j'adore ça, vraiment. C'est super, super, super. Chabrier, bonjour. Nous sommes très contents de vous présenter aujourd'hui votre voiture. Ouais, ça y est, elle est là. Genre, c'est véridique, hein, parce qu'il y a beaucoup qui disaient encore c'était une arnaque, un faux projet, tout ça. C'est véridique, elle est arrivée. Nous sommes aujourd'hui au circuit de Nevers, mais Nico sur le circuit club avec W Autosport qui nous accompagne pour la première étape de ce projet. Voici la fameuse voiture donneuse, la voiture qui va fusionner avec cette merdouille rouge là-bas. Comme ça à peu près. Hein. Un poil plus de difficulté à mon avis. L'emboîtage. C'est le concept est là quoi. Bon, on découvre en même temps que vous, cela dit. Hein. W Autosport l'avait réceptionné pour nous, avons tout bien préparé pour pouvoir la montrer sous ce plus beau jour qui est aujourd'hui. Et on la découvre et on l'a pas encore démarré. On n'a pas conduit. C'est cadeau. Hein. Cette voiture, donc on l'a payée de notre poche au début, avant de lancer la cagnotte. 40 000 euros. Avec l'import, c'est une voiture qui vient des États-Unis. Et c'est une Corvette C7 ZO6, c'est-à-dire c'est presque la plus puissante des Corvettes C7, qui maintenant est terminée puisque c'est la C8, la nouvelle avec un moteur central arrière. C'est la dernière génération de Corvette à moteur avant et on le verra tout à l'heure. On le voit bien le moteur. Oui, il est là en tout cas. Et cette voiture vient des États-Unis. C'est une voiture en Europe qu'on trouve autour de 150 000 euros. Et nous, on l'a eu à 40 000 euros. Pourquoi? Alors qu'elle est neuve. Hein. Le moteur à combien? 1400 km, messieurs dames. On a même le carnet de bord. Alors je sais plus comment ça s'ouvre. C'est tactile en fait. Je vous montre. Ah, ça marche pas tout le temps, mais voilà. Carnet de bord officiel de Corvette en cuir et il a jamais été déballé. Alors, si besoin, il y a la garantie. Ah, bah alors ça va nous servir. Au cas où, je préfère le dire. Je sais pas quand est-ce qu'on l'annonce. Bah, il va falloir à un moment donné. Hein. venez voir, oui. Bon, alors c'est joli, mais il y a un truc, un seul. Fais attention, monsieur. Mais les jantes sont propres. Ah oui, mais bon. Faut le dire. Dis donc, monsieur. Oui. Fais attention, je crois qu'il manque un bout. Il manque un capot, peut-être. Et un pare-choc, et un châssis, et un radiateur qu'ils ont rajouté chez W Autosport, et une admission, et un débit.
fenêtre. Il manque 2-3 trucs. Et une aile et un bout du 1. Bon. Mais elle est toute neuve. Donc il s'agit d'une Corvette C7 ZO6 avec un V8 LT4, 6 litres d'eau de cylindrée avec un compresseur qui sort 659 chevaux, pour tout vous dire. Et quasiment 900 Nm de couple, ce qui en fait littéralement un dragster. Et ça, c'est de base. Parce que ça, ça va faire plus de 1000 chevaux lorsque ça sera là-dedans. Parce que du coup, pour les connaisseurs et pour les non-connaisseurs, comme ça vous avez l'info, ce bloc, il peut y aller. C'est-à-dire que de ce bloc, en le préparant bien, il a les capacités d'aller... Les 1000, c'est presque facile, quoi. D'abord, BMW Autosport. Hein. On sait que ce moteur a du coup été assemblé par Nathan Smith. Ce bon vieux Nathan, mais oui. On le connaît. Mais en même temps, t'as déconné, je crois que t'as oublié 2-3 pièces, Nathan. Mais enfin, ouais. Après, c'est moi, c'est mon avis perso. Elle est sortie d'usine comme ça. Je m'y connais pas hyper bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec cette pauvre voiture? Cette voiture est sortie de concession en 2018. Et elle a percuté un Dodge Ram. Ouais. Directement. Normalement, là, vous voyez, c'est ouvert, mais normalement, il y a des traverses ici qui viennent enserrer le radiateur. Et normalement, il y a des trucs là. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais normalement, hein, en fait, en tout cas. Cette voiture était déclarée aux États-Unis en salvage, c'est-à-dire trop abîmé pour être réparé, et cette voiture a été vendue pour pièces, même si en soi, et c'est la raison pour laquelle on l'a acheté, le moteur est très bon, et on le verra tout à l'heure, normalement il marche, et d'après BMW Autosport, il marche du feu de Dieu, il a pas perdu un seul cheval dans l'histoire, et surtout le châssis, alors ça peut paraître étonnant, mais le châssis n'est même pas tordu. Attendez, regardez, j'en ai la preuve. Le rapport de géométrie du véhicule est présent sur le siège passager, et montre qu'il n'y a pas de problème. Kilométrage 950, déjà c'est incroyable. Miles, hein, du coup. Signé BMW Autosport, c'est tout bon, voilà, c'est ce qui est écrit, donc. C'est vraiment étonnant de se dire que cette voiture en fait est saine, c'est-à-dire que si on remettait de la carrosserie, et eh ben ça irait. Voilà, du coup vous pouvez peut-être vous demander pourquoi il faudrait juste mettre de la carrosserie, mais là-dessus c'est tout carbone presque, hein. C'est vite très très cher. Et il y a des éléments à l'intérieur de l'habitacle puisqu'il y a eu un déclenchement d'airbag qui coûte très cher aussi. Et aux États-Unis ils ont une conception très différente des bagnoles, c'est-à-dire qu'un peu trop abîmé c'est poubelle. Et il faut bien qu'il y ait des connards d'Européens comme nous qui rachetions ça. Donc finalement ce projet est écologique puisque cette voiture aux États-Unis était vouée à arriver à la poubelle. Ce que nous faisons là est un projet éco-responsable. Oui messieurs dames. On a recyclé un multiplat, oui. On a recyclé une C7 ZO6 qui allait, oui, à la casse. Sur l'échelle de Nicolas Hulot, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et du coup, cette voiture va servir de base, la fusion avec ce multiplat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont garder uniquement le châssis, enfin l'avant en tout cas, au niveau du châssis. Ils vont garder le moteur, on va garder le pont qui arrive jusqu'à l'arrière, puisque cette voiture est une propulsion. On va garder la boîte automatique, puisqu'elle est très performante. En fait, on va garder, enfin, BMW Autosport, merci à eux, va faire le travail de garder les éléments performants de cette voiture. Souvent, les voitures américaines ont été des voitures, jusque dans les années 2005, voire 2010, des autos certes très puissantes, donc performantes en ligne droite, mais pas forcément très performante en virage, quoi. C'était en même temps, aux États-Unis ils ont pas de virage. Ah ben ils connaissent pas. Tu mets un gros moteur et puis ça suffit. Dédicace d'ailleurs à Anthony avec sa Viper qui nous répète toute l'année que sa Viper elle tient la route. Mon cul, ouais. Donc ça c'est la génération C7 qui est sortie dans les années 2010. Avant ceci il y a eu la génération C6. Eh oui, qui commençait déjà performante en termes de châssis, et la Corvette C6 ZR1, c'est-à-dire le maximum qui faisait 650 chevaux, avait pété des culs sur le Nürb. Je crois que ça faisait 720 sur le Nürb ou un truc comme ça. Celle-ci en ZO6, donc la plus sportive entre guillemets avant la ZR1. Ils ont sorti une petite série de ZR1, on vous l'accorde, à plus de 700 chevaux, voilà. Mais celle-ci déjà pète des culs puisqu'on est autour des 7 minutes sur le Nürb, c'est-à-dire qu'on rentre dans un club très fermé des autos les plus performantes de la planète. Genre réellement. Et c'est là où ça va être beau, c'est qu'en plus d'être performant en termes de moteur, en termes de boîte, ça va être en plus performant en termes de châssis. Et ce multiplat ne va pas juste être une merguez qui va vite en ligne droite, ça va être un truc ultra énervé même en virage. C'est le but en tout cas. En théorie, on pourrait retaper les 7 minutes au Nürb avec le multiplat. Oui, bon, il y a du boulot, ok, il y a quelques heures. On en profite pour glisser déjà un merci à BMW Autosport, mais surtout un bon courage à BMW Autosport. N'hésitez pas dans les commentaires à leur souhaiter un immense bon courage, parce que le courage, il va en avoir besoin, là. Surtout une grosse dédicace à tous les gens qui disent, bon, pour Noël, il est fini le multiplat. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est non. Il est estimé au minimum 400 heures de travail, puisque déjà, au-delà de l'aspect esthétique de transférer ça là-dedans, et de fusionner les deux et que ça fonctionne, il va y avoir aussi une grosse prépa moteur, puisqu'on vous le rappelle, ça va faire 1000 chevaux minimum, donc tout va être changé en fait. Important de le dire, changer pourquoi? Pour des pièces de voitures de course, mais de course de type, vous connaissez le Mans? J'espère. Si vous connaissez pas, c'est chiant, mais en vrai, c'est des voitures qui courent au Mans, qui vont avoir des pièces qu'on va mettre là-dedans. En fait, BMW Autosport s'est adressé à la société qui ingénierise les C7R, c'est-à-dire les Corvettes C7 qui pètent des culs aux 24 heures du Mans. Et cette voiture va partager beaucoup de pièces avec les C7 du banc. Genre réellement, ça va être un DAB 18e comme tu as fait hier. Attention, attends, c'est comment? La révérence. Hop!
ça, on va en faire une voiture potentiellement pas ridicule aux mains. Là, comme ça, tout de suite, c'est pas flag, mais ça sera fou. Faisons le tour de cette auto. À l'avant, on a le V8 en position centrale avant, c'est-à-dire qu'il est après les roues avant pour répartir le poids au maximum. D'ailleurs, sur la C8, la toute nouvelle qui vient de sortir, le moteur maintenant sera à l'arrière pour des raisons de performance. Ça tient encore mieux la route, puisque du coup, là, comme il y a beaucoup de poids devant et peu à l'arrière, il y a une légère tendance à glisser. Oh, hello. That's spinning. Ça survire parfois. Alors les Américains adorent ça, nous aussi, donc du coup c'est drôle de se dire que le Multipla va pouvoir drifter du futur, mais néanmoins c'est un côté un peu délicat. Des gros étriers, c'est grand mort pour freiner sa mère. On a du carbone céramique les gars. Oui, 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 attention, on rigole pas ici. Hein. Les jantes à l'arrière, 335 de large. Les pneus du coup. C'est incroyable, ça va être d'une violence. Ces quatre sorties là. Est-ce qu'on la targatise directement? Ah, et targatisons. Ah, vous savez à quel point j'adore les câbles. Hop là. Du coup, j'aimais pas trop, et en fait je commence à tomber amoureux de cette voiture, comme 100% des voitures qu'on croise en fait sur le château. Voilà, ça c'est incroyable. Ah ouais, ça j'avoue, ouais, c'est cool. L'intérieur c'est très américain du coup, c'est-à-dire que le pire côtoie le pire. Voilà. C'est vrai que putain, ce pommeau de merde. Alors le pommeau est dégueu, ça... Je rappelle qu'en France importée, on est autour de 150 000 euros. Aux États-Unis, ça coûte un peu moins cher, on est un peu plus de 100 000 dollars. Du coup, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est difficile d'avoir aussi performant. Je rappelle quand même qu'avec 659 chevaux, on a plus de puissance qu'une Ferrari Enzo. Infiniment plus de coupe qu'une Ferrari Enzo. Et sur le NURB, on a l'une des voitures les plus performantes du monde. Donc, pour 100 000 balles, ça va. C'est du faux cuir, le plastoc est dégueu, mais en fait, on s'en branle, on veut juste que ça évite en ligne droite. Et le pire, c'est que ça marche. Et comme dans tous les essais, on va vous ouvrir le capot. Eh merde, c'était le coffre. Putain, la double blague foirée. Bon, on va pouvoir démarrer le véhicule. Attends, il faut que j'actionne le ventilateur devant. Oui, parce qu'il y a un bouton du coup pour l'actionner, parce qu'on n'a pas encore tout bien peaufiné. Hein. Le radiateur, il est resté sous le pick-up. Et du coup, ils en ont remis un, mais il est commandable manuellement. Alors, faut l'actionner. C'est bon. C'est trop bien. C'est la ligne d'origine. C'est-à-dire que là, il y a FAP, il y a Kata, et on va tout virer. Et ça va être trop bien. Défaut, direction assistée. Oui, alors parce que pour info, du coup, il n'y a pas de direction assistée. Et il n'y a pas tous les systèmes, en fait, d'aide, finalement, type ESP, type ABS. Mais c'est un détail, ça. Allez, allons rouler, on vous fait voir ce qu'on vous a acheté. Alors, si on met pas la ceinture, les amis, c'est que c'est pété. Et en fait, les ceintures sont parties avec le précédent propriétaire. Écoutez ce qui est à vous. Ça, c'est à vous, par exemple. Allez, ciao! Je veux ça. Ah oui, merde, j'avais oublié. Ah oui, alors par contre, vraiment, là, vous rendez pas compte. Mais pas de direction assistée. En fait, on sait plus ce que ça fait. Alors, direction assistée, conduire prudemment. J'ai remarqué, merci. Assistance au freinage urgent, CPT. Stabilitrack, CPT. Essuie arrière, CPT. Fin de stationnement, CPT. Système de retenue, CPT. Batterie faible, CPT. Voilà, on va pas jouer aujourd'hui. On jouera plus tard. Il y a beaucoup d'occasions de jouer. Alors, je suis en 7e, là. Ok, j'ai les palettes au volant qui fonctionnent. C'est incroyable. T'entends ce sifflement? Nom de merde. Ça, c'est la base du multiple. Vous entendez ce mot? Ça, c'est avant la modification. Oh là 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 là. Oh. Enculé. Et là, j'étais à 5000 tours et ça prend 6500. C'est à vous, hein, c'est à nous. Ok, pardon, je le répète un petit peu, mais... Je vais pleurer, je sais que je vais pleurer, c'est en train d'arriver. Ça, c'est en vente libre. Ça, t'as le droit de l'acheter. Ça, t'as le droit de l'acheter, putain de merde. Alors, t'as techniquement pas le droit de l'utiliser, mais t'as le droit de l'acheter. Je suis navré, on n'a pas le droit de faire du drift sur cette piste, déjà qui nous est ouvert gracieusement par Nevers Manicourt. Donc, on va pas pouvoir faire de drift aujourd'hui. Et sans direction assistée. Oui, non, mais je préférais dire que c'était la faute au circuit. Ah oui, pardon. Hein, on refait. Alors, oh, ils sont chiants, le circuit. Hein, merde, hein. Oh, putain, ça te saute à la gueule. Ça te saute à la gueule. T'as vu ça? C'est de loin la voiture la plus performante que j'ai jamais essayé. En vrai, hein. Casquette est à l'envers par souci d'aérodynamisme, vous comprendrez bien. Putain! Mais t'as vu ça? Ça marche pas trop mal. T'as vu ça? Oh, t'es chier de merde.
T'as vu comment ça bombarde? Il manque 4 ou 500 chevaux là-dedans, quoi. Putain, il manque 400 chevaux! Alors, le ressenti, en tout cas, la conduite pour le reste, le châssis a l'air incroyable. C'est d'une rigueur folle. Le freinage est sans aucun soupçon. Le moteur, inépuisable. Juste par contre, c'est vraiment en propulsion, donc il n'y a que derrière. Et là, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous remarquez, je mets vraiment du gaz très progressif parce que dès que tu mets un peu fort, ça glisse. Et on ne peut pas la rattraper aujourd'hui, et même les autres jours peut-être. C'est vraiment un peu terrifiant. D'un côté, tu rigoles, mais de l'autre, c'est comme rigoler avec un lion de compagnie. C'est-à-dire, c'est marrant 10 secondes. Allez, je m'en refais une. Doucement, doucement, doucement. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de ceinture, on s'en bat les couilles. Mais tu as raison Pierre, le bon réflexe, la sécurité, les enfants. Pensez toujours à conduire à 300 sur la voie de gauche avec votre ceinture. Yeah. Il se passe rien du tout. C'est un sapin de Noël. J'ai jamais vu autant de voyants ouais, de ma vie. Je sais pas si on les a tous vus, tout va pas. Tous les voyants sont allumés. La centrale de la voiture étant explosée derrière le volant. Il y a des trucs qui manquent, mais elle roule en vrai. Elle oui, marche. Ça roule, oui. Elle fonctionne. Tu sens... Ah. T'as ce moteur et oh, ça marche. T'as vu la furie de l'auto? Je suis si content d'avoir pris cette base. C'est incroyable. Alors là, c'est vrai qu'on a l'air de deux cons à s'émerveiller juste sur des accès en ligne droite. Hein, mais parce qu'on sait aussi le potentiel qu'il va y avoir derrière. Alors ouais, la boîte est très lente par contre. Ah ouais. Faut lui laisser un moment. Et les palettes sont pas bien plaisantes. Non, c'est peut-être le point négatif. La boîte est lente. C'est pas bien fini. En vrai, c'est globalement, c'est de la merde. C'est nul de dire ça là, mais c'est de la merde en vrai. Bah ils ont tout mis dans le moteur quoi. Ouais, en vrai, ils ont raison. Et tu sens que ce moteur en veut. Tu sens que la hargne est présente. Ah, oh, c'est incroyable. Mais tu vois, il y a du délai avec la boîte. Ouais, c'est un peu relou. La boîte est clairement pas optimum en termes de performance, quoi. Très très fort. Et le moteur va bien, il est toujours là. Hein. Attends. Il est présent. Je vais vérifier. C'est bon, le moteur est là, Pierre. C'est bon. Ouais, je crois que j'ai vu le moteur. Hein. Putain de merde. Il est là, effectivement. Il est là. La satellisation. C'est un satellite, c'est une fusée aérienne ce bordel. En fait, par direction lune, dès que tu mets le pied droit au taquet, c'est incroyable. Bon, en vrai, là, sur ça, moi, j'ai pas grand chose de plus à dire. On va faire de toi petite prise de vue un peu jolie, voilà. J'adore les États-Unis. J'aime bien. Et encore plus avec ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est incroyable. Pas de parti pris politique par ici, hein, évidemment. Mais ce pays est bien. Alors, on va s'aller au stand, tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui? Je pense que c'est de la merde. Que moi, en vrai, j'aurais préféré une Chiron. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, puisqu'on a des abos qu'on mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le pire mec. Bah, bien sûr que c'est incroyable, putain de merde. Merci les loulous, vous êtes incroyables, c'est fou. Mais on va pas vous décevoir là-dessus. Vous êtes pas prêts, et en vrai, nous non plus, je crois. Donc. Mais je trouve que ça manque de chevaux encore pour que ce soit réellement convaincant. Putain! Ça manque d'eux, pardon. J'ai pas bien entendu. Ça tourne. La première étape de ce formidable projet. Il y a 2 ans, on n'aurait jamais cru ça possible. Très content de partager ça avec vous, les loulous. Putain, ouais. C'est la première vidéo d'une grande série qui va donner n'importe quoi. Putain, mais t'as vu où on est? On est à Nevers-Manicourt dans une C7Z06 qui est à nous. Mais n'importe quoi de bien. Hein. Ben oui, mais d'abord, c'est fou. Incroyable ce qui est en train de nous arriver. Ça, c'est grâce au loulou. Donc, encore une fois, merci. On va aller lâcher l'alarme tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir regardé. Le multiplat, on l'espère, reviendra en décembre, sinon en 2021. Et toute l'année 2021 va être sous le signe du V8 6 litres de compressé. Putain, ouais, nom de Dieu. Je suis si content d'avoir pris cette base. Merci de nous avoir regardé, et puis gros bisous, à bientôt. Moi, je veux rupter. Pourquoi on peut pas rupter? Tu peux pas rupter. Non, pardon, arrête. Excusez-moi. Arrête. Le pied a glissé. Ouais. Non mais regardez, ça glisse. Ça glisse.